Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du matériel qu'on utilise pour tourner les vidéos de la chaîne Morgan VS. Je m'appelle Hugo Press et bienvenue sur la chaîne You Got Tech. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet il y a environ un an dans lequel j'expliquais que tout notre matériel ne devait pas dépasser d'un sac de 20 litres parce qu'à l'époque j'étais seul à faire l'image et le son. Depuis les choses ont changé parce que l'équipe a augmenté, actuellement on est deux à l'image et un au son. Je vais pas trop vous parler du son mais comme vous pouvez le voir sur cet exemple, ça nous a permis d'augmenter la qualité de l'image sans changer de caméra. L'un des plus gros axes d'amélioration était la lumière. À l'époque on utilisait seulement un petit panneau LED uniquement quand la lumière était insuffisante mais on faisait pas du tout de lumière esthétique. On a commencé par acheter deux Fomex FL600. C'est des panneaux LED bicolores relativement puissants et extrêmement légers. En plus, ils ont la particularité d'être mous, ce qui peut être très pratique dans certains cas. La plupart du temps, on place un panneau LED de chaque côté de la scène à filmer. Ça permet d'avoir peu d'ombre sur leur visage et de les rendre plus beaux. Devant les panneaux LED, on met des softbox pour faire une lumière plus douce. Comme son nom l'indique, c'est une boîte blanche que l'on met devant la source lumineuse pour adoucir la lumière et casser une partie des ombres. On alimente ces panneaux LED par deux grosses batteries Velox que l'on met juste derrière. Ça permet de pouvoir déplacer les projecteurs et pas avoir plein de câbles partout. Ensuite, pour faire un peu d'esthétisme, on utilise deux minettes à puture ALMX. Elles ont l'avantage d'être bicolores, très puissantes et auto-alimentées. Elles ont une autonomie d'environ 1h30, mais on peut les brancher en USB-C à des batteries externes de smartphone très facilement. Elles ont une finition tout en métal, c'est vraiment des super produits. On les utilise soit pour les cacher dans le décor et faire des points de lumière, soit pour éclairer les gros plans. Je suis pas encore totalement satisfait de notre lumière actuelle, parce que quand on a 4 intervenants, les deux de devant sont souvent mieux éclairés que les deux de derrière. Du coup, j'aimerais bien qu'on achète un FL1200, donc la taille au-dessus, qu'on mettrait au-dessus de la scène à filmer grâce à un bras girafe, et on l'équiperait d'une grosse boule chinoise qui permettrait de faire une lumière très douce sur toute la table. Au niveau des caméras, on est passé de 2 à 3 GH1. Le premier sert à faire le grand angle, donc il est mis sur un trépied fixe et ne bouge pas de tout l'épisode. Et les deux autres caméras sont des caméras qu'on porte à l'épaule, il y en a deux et elles servent à faire le champ contre champ. On filme les plans principaux en Ultra HD 8 bits. On a besoin de changer d'ordinateur et de carte mémoire pour passer en 10 bits et encore améliorer le rendu sans avoir à racheter de nouvelles caméras. Quand on filme en 8 bits, on enregistre environ 16 millions de couleurs, alors qu'en 10 bits, on enregistre environ 1 milliard de couleurs. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de souplesse à l'étalonnage. Les plans d'illustration sont enregistrés en Ultra HD 50 images secondes 8 bits. Filmer en 50 images secondes nous permet de ralentir le temps au montage et faire des plans un petit peu plus doux, un petit peu plus esthétiques. Maintenant, on va parler d'un élément ultra important qui est souvent mis au second plan, les objectifs. Selon moi, c'est même plus important que la caméra. Et comme preuve, on va utiliser les youtubeurs français. On est une grande majorité à tourner avec des GH5 et vous pouvez vous amuser à aller voir d'une chaîne à l'autre, la qualité varie énormément. Et ben c'est principalement dû à la lumière et aux objectifs choisis. Comme objectif principal, on utilise toujours le petit 7,5 mm f2 de chez Laowa. Il a la particularité de ne pas déformer les droites, ce qui donne un rendu très large que j'adore. Mais dans certains cas, cet objectif est trop large, ce qui n'est pas forcément pratique. Donc un des axes d'amélioration du matériel serait d'acheter un Leica 12 mm f1.4 pour avoir du choix au moment de faire le plan principal. Pour les plans sur les visages, on a arrêté d'utiliser mon vieux 24-70 Canon que j'adore pour 3 raisons. Déjà, il est vraiment très lourd et assez volumineux. Ensuite, il nous obligeait à utiliser une bague d'adaptation pour le mettre sur le GH5. Ça créait régulièrement des problèmes, ce qui nous forçait à redémarrer la caméra ou à débrancher, rebrancher l'objectif. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était vraiment pas très pratique sur un tournage. Et pour finir, quand on faisait venir un autre cadreur, on n'arrivait pas à trouver quelqu'un qui avait le même objectif. Et du coup, ça faisait des différences de couleur d'un plan à l'autre, ce qui nous faisait perdre énormément de temps au montage. Du coup, maintenant, on utilise deux objectifs 10-25 mm f1.7 de chez Leica. C'est de très loin le meilleur zoom que j'ai pu utiliser. Il est très lumineux, a un piqué vraiment excellent, la plage de zoom est idéale, et en plus de ça, j'adore sa façon de rendre les couleurs. Si vous voulez plus d'informations sur cet objectif, on a fait une vidéo très très détaillée juste ici. Et le tout dernier objectif qu'on a acheté, c'est le 42,5 f1.2 toujours de chez Leica. Et si l'objectif d'avant est le meilleur zoom que j'ai utilisé, ce 42,5 mm est le meilleur objectif toutes catégories confondues. C'est simple, il est irréprochable. Il nous sert à faire d'un côté les gros plans et de l'autre côté les plans esthétiques. On utilise aussi une GoPro Hero 8 pour faire les plans du dessus. On règle cette caméra en Ultra HD à 25 images secondes en activant le mode linéaire pour limiter les déformations de l'image. On peut la contrôler depuis le téléphone, ce qui est vraiment très pratique quand la caméra est en top shot. On commence aussi à utiliser la GoPro Max qui filme en 360 degrés, ce qui nous permet de choisir l'angle de vue directement au montage. On filme en 5,6K à 25 images secondes, c'est vraiment une super petite caméra qui permet de faire des plans totalement inédits. Pour le trépied qui supportait la caméra grand angle, jusqu'ici on utilisait des GorillaPod. Ça a certains avantages, ça permet de les accrocher sur des chaises ou des choses comme ça, mais ça nous posait très souvent des soucis parce que c'est trop petit, ça bougeait, c'était pas stable. Du coup, on est enfin passé sur des vrais trépieds. On n'a pas encore pu l'utiliser parce qu'on l'a reçu pendant le confinement, mais à partir de maintenant, on va utiliser le nouveau trépied carbone
carbone de chez Peak Design. On voulait un trépied léger et compact, et vu que ce trépied nous servira uniquement à faire des plans fixes, on n'a pas besoin d'avoir une tête fluide vidéo. Je vous ferai une vidéo plus détaillée sur ce trépied d'ici quelques mois quand j'aurai eu le temps de mieux le tester, car là vous imaginez bien que j'ai pas pu vraiment l'essayer. En carte mémoire, on utilise 10 SanDisk Extreme Pro 128Go à 170 Mbps. À la base, on les avait achetées parce qu'elles étaient pas très chères, mais aujourd'hui elles nous posent deux soucis. Régulièrement, ces cartes font planter les caméras, ce qui a pour conséquence de corrompre les rushs qu'elles étaient en train de filmer. Ça pourrait ne pas être trop grave, mais nous on tourne des reportages avec des rushs qui peuvent durer jusqu'à 1h30, donc on peut pas se permettre de perdre des images. Du coup, pour éviter ça, on met deux cartes par caméra qui enregistrent exactement la même chose. Ça marche pas à tous les coups, mais ça nous permet de limiter les dégâts. Et le deuxième problème, c'est que ces cartes sont assez lentes, ce qui nous empêche d'utiliser nos caméras à 100% de leur capacité. Comme je le disais tout à l'heure, on est obligé de filmer en 8 et non en 10 bits, ce qui nous limite beaucoup à l'étalonnage. Donc ça peut être des très bonnes cartes si vous commencez dans la vidéo, mais si vous êtes professionnel, allez plutôt acheter les dernières cartes de chez Sony. Toutes nos caméras sont dans des cages 18 qui permettent à la fois de les protéger et de les accessoiriser. Ça permet notamment d'accrocher nos écrans directement sur le dessus grâce à un petit accessoire toujours de chez 18. Justement, en parlant d'écran, sur les caméras qui font le champ contre champ, on leur met des écrans Blackmagic Video Assist de 5 pouces. Je les ai depuis 2015 et ils marchent toujours parfaitement. J'aimerais les changer d'ici quelques temps parce qu'ils manquent de fonctionnalités, notamment la parade RVB qu'on utilise de plus en plus. On a un autre écran de chez Blackmagic, mais ce coup-ci c'est la grande version de 7 pouces. C'est le nouveau modèle qui est sorti en 2019 qu'ils appellent 12G, et il intègre toutes les fonctionnalités dont on a besoin. On l'utilise pour monitorer le plan large, histoire que toutes les personnes sur le tournage puissent voir ce qui se passe, et ça leur permet notamment de voir s'il y a quelque chose qui traîne dans le décor ou ce genre de choses, histoire de rendre l'émission plus élégante. Depuis quelques temps, on utilise des filtres à densité neutre qu'on appelle aussi ND. Ça nous permet de toujours garder les ISO et la vitesse au même niveau pour avoir le meilleur rendu possible. Ça nous permet aussi de pouvoir régler notre caméra plus précisément si on tourne dans un endroit où il y a du flicking et le faire disparaître plus facilement. Le flicking, c'est quand la lumière fait un effet assez désagréable de scintillement. On utilise les filtres de chez Gobi, j'ai pas remarqué de shift de couleur, donc j'en suis très satisfait. En câble HDMI, on utilise des petits câbles que j'ai trouvé chez TRM, et en 2 ans, on n'en a jamais cassé un, ce qui est vraiment un exploit. Parce que je me souviens, quand les câbles HDMI sont arrivés sur les tournages, on en cassait à peu près un par jour. Donc ceux-là sont vraiment très résistants, et en plus de ça, ils sont mous et très légers, ce qui est vraiment hyper pratique sur les tournages. Je vais être très rapide sur le son parce que j'y connais pas grand chose. On met toujours un vidéo mic pro plus par caméra au cas où il y a un problème de son sur la piste principale, mais le reste c'est notre ingénieur son qui gère, et d'ailleurs si ça vous intéresse dites-le moi en commentaire, on pourra faire une vidéo dédiée sur son matériel. Pour le transport, je vais vous parler de nos sacs, mais honnêtement actuellement c'est une galère. On n'a pas du tout le matériel adapté à ce qu'on fait et on va devoir très très vite changer si on veut pas abîmer le matériel. Tous les sacs dont je vais vous parler sont exclusivement de la marque Peak Design. J'utilise toujours mon vieux Everyday Backpack de 30 litres que j'utilise depuis des années. Il porte exclusivement les caméras, les objectifs et les batteries. Dedans j'ai une petite pochette que je garde sur moi pendant les tournages, on y met les caches d'objectifs et quelques outils. Ensuite, on a un travel backpack de 45 litres, toujours de chez Peak Design. À la base, on l'avait acheté pour les déplacements à l'étranger et il est vraiment excellent pour ça. Mais au quotidien, il nous sert à transporter les trépieds pour la lumière et tout le reste du bordel dont on a besoin, comme les écrans, les grosses batteries Velox, les micros, quelques câbles, et franchement, il n'est pas très adapté pour ça. En sac personnel, que j'utilise au quotidien d'ailleurs pas que sur les tournages, j'ai le Sling 10 litres. J'y mets toutes mes affaires personnelles, dont mon iPad qui me sert à récupérer les rushs sons directement sur le tournage. Et pour les sacs de la lumière, on a simplement gardé ceux dans lesquels elles étaient livrées. J'adore ce setup, il nous permet de faire des belles images assez facilement tout en gardant un encombrement assez contenu. On s'approche petit à petit du maximum que l'on peut faire dans notre budget avec le nombre de personnes qu'on peut avoir sur un tournage. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, si vous avez des questions techniques n'hésitez vraiment pas à nous les poser en commentaire et on sera ravis de vous répondre, voire même de faire une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Pensez aussi à rejoindre mon Instagram, je vous montre le côté technique des tournages et dès qu'on reçoit du matériel je vous le montre en story. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos, à bientôt.